La popularité de Meghan Markle en a pris un coup, affirme l'expert royal, car la duchesse est blâmée par le public britannique pour avoir créé une version réveillée et bizarre du prince Harry. Un expert royal a déclaré que la popularité du duc et de la duchesse de Sussex avait absolument chuté au Royaume-Uni depuis leur décision de quitter la famille royale. S'adressant à GB News sur l'avenir de la monarchie, Ingrid Seward a déclaré que le public britannique blâmait Meghan Markle pour avoir emmené Harry et que leurs actions avaient démarré. Le prochain procès du prince Andrew. S'adressant à l'hôte Alex Phillips, Ingrid Seward a déclaré. Meghan détourne l'attention parce que les gens de ce pays l'ayant aimé une fois, ne semblent plus l'aimer du tout et ils lui reprochent de nous avoir enlevé Harry à tous. Harry n'était que ce jeune prince amusant auquel tout le monde pouvait s'identifier et maintenant il est devenu tout réveillé et bizarre. Je pense donc que leur popularité a complètement chuté et je suppose que d'une certaine manière, ils ont en quelque sorte pris la chaleur du prince Andrew. Avant de quitter la famille royale, le prince Harry était généralement classé comme le membre le plus populaire de la famille royale. Selon les sondages YouGov, le prince est désormais considéré comme le 14e membre le plus populaire, avec Meghan Markle tombant au 13e. Les membres moins connus de la famille tels que la princesse Anne et le prince Édouard sont actuellement mieux classés que les Sussex. Le couple a décidé de quitter la famille royale en janvier 2020, dans une annonce choc qui aurait aveuglé certains membres de la monarchie. Après avoir lutté pour faire face à un examen minutieux des médias et à des divisions internes au sein de Buckingham Palace. Les Sussex ont déclaré leur désir de démissionner de leur rôle et de déménager en Californie. Depuis lors, le couple a créé sa propre fondation à but non lucratif Archewell et a signé un certain nombre d'accords lucratifs avec les géants du streaming, Netflix et Spotify. En mars, ils se sont assis pour une interview explosive avec Oprah Winfrey, où ils ont critiqué la famille royale et parlé de leur relation difficile avec Buckingham Palace. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film.